moi si vous le pouvez. Je le sais. Nous n'avons pas fini de jouer, mortel. Je m'exécute. Pars, hors de ma vue! Vas-tu cesser de m'importuner? Je suis ta mère. Ne m'aimes-tu pas? Tu es autant ma mère que mon petit doigt est reine de Ferelden. Je te connais, esprit de l'immatériel. Tu ne peux me duper. Es-tu donc plus intelligente que ta propre mère? Un tel orgueil appelle châtiment. Tiens! Voilà qui t'enseignera le respect. C'est déjà plus ressemblant, mais c'est un peu tard, esprit. Vous voilà enfin. Venez me débarrasser de cet esprit contrariant. Tous ces attouchements me fatiguent. C'est à moi que vous le demandez? Il n'arrive même pas à lire suffisamment mon esprit pour former un sosie convaincant. Et pourtant, il s'acharne sur moi. Elle ne reconnaît même pas sa propre mère. Mon cœur saigne. Oh, éliminez-le et vite! Même la véritable flemmette n'a jamais été aussi insupportable. Quand même, c'était très... Un instant, que se passe-t-il? Non, pas encore, je refuse. Hé, hey, content de vous revoir. Justement, je pensais à vous. N'est-ce pas une heureuse coïncidence? Je vous présente ma sœur, Goldana. Et voilà ses enfants. Il y en a d'autres qui traînent dans les parages. Nous sommes une grande et heureuse famille. Mais de quoi parlez-vous? Alistair, ton ami reste pour le dîner, bien sûr. Bien sûr. Restez donc dîner avec nous. Goldana cuisine divinement. Vous devriez goûter sa tourte à la viande. Un délice. J'en mitonne une sur le champ. Tout ce que tu voudras. Vous comportez de manière bien étrange. Si vous y tenez, d'accord. C'est très étrange. Mes souvenirs sont flous. Alistair, viens donc prendre une tasse de thé. Non, attendez, je me rappelle... Une tour... Le cercle... Attaqué... Assiégé par les démons... C'est tout ce dont je me souviens. C'est donc... Je rêve. Et pourtant, tout semble si réel. Bien sûr que c'est réel. Va te laver les mains avant le dîner, veux-tu? Quelque chose ne va pas ici. Je crois qu'il faut que je parte. Non!
Il nous appartient. Je le tuerai plutôt que de le libérer. Gao ! Elles nous ont vu. C'est mon charme. Pas y croire. Pourquoi n'ai-je pas vu plus tôt? Oh. Quel imbécile je fais. Ne le répétez à personne, surtout. Nous partons? Attendez. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui m'arrive? Hé hey! Je suis ici, et vous voilà. Je viens de vous voir disparaître. Mais qu'importe. En t'immisçant dans mon esprit, tu t'es fait une dangereuse ennemie, démon. Tu ne nous arrêteras pas, démon! Devant nous tous réunis, tu ne fais pas le poids! Rentrez bien sagement et je ferai mieux. Vous serez au comble du bonheur. Pensez jamais qu'à votre petite personne, je suis blessé plus profond de moi. Vous voulez m'affronter? Fort bien. Tu vas apprendre la différence envers tes maîtres mortels. Je suis prêt. Je fais prise.
c'est fait. Vous avez vaincu le démon, je n'aurais jamais pensé que vous parviendrez à vous libérer, à nous libérer. À votre retour, prenez la litanie d'Adrala sur mon corps. Elle vous protégera contre la magie du sang. Je ne peux pas vous accompagner. Voilà trop longtemps que je suis ici. Pour vous, ça n'aura été qu'une sieste de quelques heures. Votre corps n'aura pas dépéri, tandis que votre esprit était aux mains du démon. À chaque minute que j'ai passée ici, le démon se repaissait de moi. Il aspirait ma vie pour donner corps au cauchemar de ce royaume. Il ne subsiste qu'une étincelle de vie en moi. Mon destin n'a jamais été de sauver le cercle, ni même de lui survivre. Je suis mourant. Inutile de se voiler la face. Il est temps que nous partions d'ici, tous deux. Rappelez-vous la litanie d'Adrala. Seul le cercle importe, à présent. Merci, et adieu, mon ami. Ce sera fait. Bien. Je m'exécute.
m'exécute. Qu'allons-nous faire ? Ce sera fait. Je m'exécute. Arrêtez de me tisonner, vraiment. Toujours la même chatte-mite. Je sais ce que vous êtes, et je ne céderai pas. Ce jeune homme est épuisé. Quant à cette cage, je n'ai jamais rien vu de tel. Reposez-vous, nous venons vous secourir. Assez de vision ! Si vous avez une parcelle d'humanité, tuez-moi et terminez ce jeu ! Vous avez brisé les autres ! Mais je ne céderai pas ! Il en va de mon salut et du leur ! Satané mage du sang ! Il s'infiltre dans ma tête ! Je ne céderai pas ! Je préfère mourir ! Qui donc ? De quoi parlez-vous ? Irvine et les autres mages qui se sont opposés à Uldred, où sont-ils ? Dans la chambre de confrontation ! Les cris qui en émanent ! Oh, doux créateur ! Nous devons faire vite. Ils courent un grave danger, j'en suis sûr. Vous ne pouvez pas les sauver. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils sont devenus.
frères ont été entourés de mages du sang qui enserrent votre esprit de leurs doigts impies et corrompent vos pensées. Quelle intensité dans sa haine des mages. La mort de ses amis est encore vivace dans son esprit. Vous devez y mettre un terme immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Croyez-vous vraiment sauver quiconque en courant ce risque? Pour mettre fin à cette infamie et veiller à ce qu'aucune abomination, aucun mage du sang ne survive, il n'est qu'une solution. Tuez tous ceux d'en haut! C'est à vous d'en juger, mais je vous implore d'écouter ce que j'ai à dire. Rien ne permet de distinguer de visu un maléficien. Un seul d'entre eux pourrait influencer l'esprit d'un roi, de la grande prêtresse. Je suis simplement résolu à ne pas me voiler la face comme vous. Mais que puis-je faire? Comme vous pouvez le constater, j'ai beau mourir d'envie d'en découdre moi-même avec les mages, je ne peux guère peser sur vos actes. Ne vous occupez pas de moi. Allez affronter Uldred si telle est votre intention. Je serai libéré à sa mort. Une fois encore, personne ne m'écoute. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puisse le Créateur guider vos pas. Je prie pour que votre compassion ne précipite pas notre chute. Je m'exécute. Que je vous offre. Je vois que nous avons un visiteur. Soyez le bienvenu. Vous venez vous joindre à nos festivités. Oh, finement observé. Je m'étonne de vous voir encore en vie. J'en déduis, hélas, que vous avez abattu mes serviteurs. Enfin. Mieux vaut qu'il meure au service des puissants que de vivre avec le terrible fardeau de l'indépendance. Inutile de nous focaliser sur qui a tué qui. Notre relation n'en profitera aucunement. Le mage n'est que la forme larvaire d'un être accompli. Votre chanterie nous avilit. Nous appelle abomination alors que nous avons atteint notre plénitude. Regardez-les. La chanterie les a convaincus. Ils se refusent le plaisir de partager notre gloire. Vous êtes fou. Ce que vous êtes devenu n'a rien de glorieux, Uldred. Uldred ? Il nous a quittés. Je suis et ne suis pas Uldred à la fois. Je suis plus que ce qu'il était. Je pourrais partager ce don avec vous, Wynn. Vous et tous les mages. Tout serait plus facile s'ils l'acceptaient. Mais certains sont d'un entêtement. Et voilà, on me résiste. C'est partout pareil. Quel manque d'égard. Même le premier enchanteur est de mon côté. N'est-ce pas, Irwin? Que lui avez-vous fait? Arrêtez-le. Il lève une armée. Il veut vaincre les Templiers et...
C'est très vilain de me dénoncer comme ça, Irvin. Je pensais pourtant qu'il avait entamé sa mutation. Jamais. Ça suffit, Irvin. Il finira par me servir, vous savez. Et vous aussi. Ce serait du gâchis que de vous tuer. Votre potentiel brut, conjugué à la puissance d'un démon, rien ne pourrait vous arrêter. Ce pouvoir, cette vie nouvelle, je peux vous les offrir. Votre opinion est sans importance. C'est ce que j'ai décidé, et c'est ce qui arrivera. Résistez si vous y tenez. Ma victoire n'en sera que plus délectable. N'oubliez pas la litanie. Elle empêchera Uldred de contrôler les mages. Elle sera notre meilleur atout. Thank you.
Je suis trop vieux pour tout cela. Irvin, comment allez-vous? J'ai connu mieux, mais je suis en vie et je ne peux que m'en réjouir. C'est là votre œuvre, je suppose, Wynne. Je n'étais pas seul, à vrai dire. Le cercle a une dette envers vous deux. Une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. Venez, les Templiers nous attendent. Nous devons les avertir que la tour est de nouveau sous notre contrôle. Faites don, mais ne tardez pas. Il faut informer Grégor de cette issue au plus vite. Êtes-vous prêt à partir ? Nous devons informer les Templiers de ce qui est survenu ici. Je vais vous demander de m'aider à descendre l'escalier. Maudit soit-il celui qui a décrété que le cercle devait loger dans une tour. Irvin ? Ah, par le Créateur, j'avais perdu l'espoir de vous revoir en vie. C'est terminé, Grégor. Uldred est mort. Uldred a torturé ses mages pour briser leur volonté et en faire des abominations. Nous ignorons combien d'entre eux ont été ainsi transformés. Quoi ? Vous plaisantez ? Il ne peut que me contredire s'il est mage du sang. Savez-vous ce qu'ils ont fait ? Je refuse que cela se reproduise. C'est moi le chevalier capitaine, pas vous. Nous allons rebâtir. Le cercle perdurera et nous sortirons grandis de cette tragédie, plus forts et plus sages. Nous avons reconquis la tour. Irvin m'a assuré que tout était terminé et je me fie à lui. Mais il peut subsister des démons en sommeil qui n'attendent que le moment opportun. Suffit. Ma décision est déjà prise. Merci. Vous avez gagné la reconnaissance du cercle comme celle des Templiers. Je vous ai promis de l'aide, mais la restauration du cercle m'oblige à superviser les mages. Eux sont libres de vous aider, en revanche. Oui, Irvin. Pour l'instant, je dois m'assurer que la tour est passée au peigne fin. S'il reste des survivants, nous devons nous occuper d'eux. Sur ce, permettez-moi de prendre congé. Irvin, à toutes fins utiles, je me réjouis de vous revoir. Je suis sûr que nous nous sauterons à la gorge de Rechef. On n'a rien de temps. La tour est ravagée, le cercle pour ainsi dire anéanti, et pourtant, tout cela n'est qu'un moindre mal. Décidément, vous êtes arrivé à point nommé, à croire que le Créateur lui-même vous envoyait. Au dire de Grégor, vous êtes venu ici en quête d'alliés. Vous aider à combattre les engeances, voilà bien le moins que nous puissions faire. Je m'en voudrais d'avoir survécu en ce jour pour tomber devant l'enclin. Vous avez ma parole de premier enchanteur. Le cercle rejoindra les gardes des ombres au combat. Irvin, j'aimerais vous soumettre une requête. Je voudrais suivre le garde des ombres. Wynne, nous avons besoin de vous ici. Le cercle a besoin de vous. J'en suis honoré, Irvin. Mais avec vous à sa tête, le cercle pourra s'arranger sans moi. Cet homme est brave et vertueux. Je le crois capable d'accomplir de grandes choses. J'aimerais l'aider à suivre sa voie, si bien sûr il le désire. La tour n'a jamais su vous retenir lorsque l'aventure vous appelait. À quoi bon rester si je peux me rendre utile ailleurs ? Alors, vous avez ma permission de suivre notre ami garde des ombres. Mais sachez que vous serez toujours la bienvenue ici. Il y a fort à faire ici. Je dois donc vous laisser. Vous m'excuserez d'être un hôte aussi indélicat. Possédé,
Mais pour vaincre le démon, il vous faudrait tuer, à moins que vous n'ayez l'intention de pénétrer l'immatériel. Oui, c'est faisable avec un groupe de mages. Je rassemble les mages disponibles et nous partons sans tarder. Une vie est en jeu. Vous avez vraiment vaincu toutes ces abominations? Je ne pensais pas que c'était possible. Je croyais que nous allions tous mourir. Il va sûrement vous falloir des provisions après tout ça. Je me trompe? Vous avez... Il va sûrement vous falloir des provisions après... Vous avez vraiment vaincu. Il va sûrement vous falloir des provisions. J'aurais aimé vous accompagner au combat. Je m'en occupe. J'ai étudié attentivement le grimoire de mer. Voulez-vous connaître le résultat de mes recherches? Eh bien, ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'espérais découvrir une liste de sorts ou le secret de son pouvoir, mais je n'ai rien trouvé de tel. Préoccupé? Oui, c'est vrai. Je suis préoccupé par un passage bien précis du grimoire. Regardez. Ici, avec force détail, Flemmet explique le secret de sa longévité. Vous êtes plus proche de la vérité que vous ne l'imaginez. Au cours de sa longue vie, Flemmet a enfanté de nombreuses filles. Les sorcières des terres sauvages font partie du folklore Chazind, et pourtant je n'en ai jamais rencontré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ces sorcières sont une seule et même personne, Flemmet. Dès que son corps commence à accuser les ravages du temps, elle engendre une fille, et le moment venu, s'empare de son corps. Je l'ignore. Peut-être redoute-t-elle vraiment la menace de l'enclin? Ou bien espère-t-elle seulement que je gagne en puissance à vos côtés? D'après le grimoire, si l'hôte est déjà formé aux arcanes, il est plus facile pour Flemmet de s'adapter. Pas de manière naturelle, en tout cas.
Peut-être estime-t-elle que je suis assez puissante pour survivre seule à tous les dangers? Ou peut-être voulait-elle simplement m'éloigner d'elle tandis qu'elle prépare le rituel? J'avoue que cette idée ne me réjouit guère. Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois tuer Flemette. Pas question que je reste ici les bras croisés en attendant mon heure. Flemette doit mourir et j'ai besoin de votre aide. Dans ce cas, vous devez retourner voir Flemette dans les terres sauvages sans moi. Si Flemette est terrassée en ma présence, j'ai peur qu'elle reste capable d'investir mon corps. Je préfère donc rester au campement. Affrontez-la et tuez-la promptement. Elle ne mourra sans doute pas vraiment, mais il lui faudra des années pour trouver un nouveau corps et recouvrer ses pouvoirs, si toutefois c'est possible. Grâce à son grimoire, je pourrai me protéger d'elle si jamais elle cherche à s'en prendre à moi. Tout le reste, tout ce que vous trouverez dans sa hutte, je vous le laisse. Merci. Le plus tôt sera le mieux, évidemment. Tant qu'elle vivra, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Ah, la journée a été longue. Un peu de repos ne serait pas de refus. Oui, oui, bien sûr. Je suis un peu lasse, c'est tout. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis plus de prime jeunesse. Merci. C'est très aimable de votre part. En toute honnêteté, je ne sais pas combien d'années il me reste. J'ai déjà vécu bien longtemps. Mais encore et toujours, une nouvelle tâche se profile qu'il me faut accomplir. Je pense que je serai heureuse quand tout sera terminé. Oh non, je ne suis pas de ceux qui laissent leur ouvrage à moitié exécuté. J'irai jusqu'au bout, je vous le jure. Sire, j'apporte d'autres nouvelles. Oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme... Suffit. Vous l'aviez... J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Ne devrions-nous pas affronter les engeances plutôt que de nous entretuer? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraserons les engeances. Cet enclin n'en est pas un, Anora. Seul Kaylan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'engeance. Kaylan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas? Jamais! Marik et moi les avons chassés du royaume. Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide. Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seuls cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même! Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi. Avez-vous tué Kaylan? Kaylan a lui-même œuvré à sa perte. Vous voilà donc de retour. La douce Morrigan a enfin trouvé un partenaire disposé à danser au rythme de sa musique. Quelle fascinante partition que ces mensonges, n'est-ce pas? Danser?
Pourquoi ne pas chanter plutôt? Que vous a donc dit Morrigan, hein? Quel dérisoire complot a-t-elle encore ourdi? Le corps peut-il se dérober au mouvement que lui commandent ses jambes? Nous marchons de concert, que cela nous plaise ou non. Mais laissez-moi deviner. Morrigan a fait une découverte déplaisante. Une découverte préjudiciable à sa survie. Je me trompe? Ah, c'est une longue, une très longue histoire. Un récit que Flemmette a maintes fois entendu, et parfois même conté. Sautons tout droit à la conclusion, voulez-vous? Terrassez-vous la vieille sorcière, comme l'exige Morrigan? Ou bien l'histoire prendra-t-elle une autre tournure? Le choix? Le mensonge? Tous deux recèlent un grand pouvoir. Laissez-moi vous offrir un peu de chaque. Morrigan convoite mon grimoire? Prenez-le en guise de trophée. Dites-lui que j'ai péri. Je partirai. Et qui sait, un jour peut-être je me manifesterai à Morrigan. Ou peut-être me contenterai-je d'observer? Je suis curieuse de voir ce qu'elle fera de sa liberté. J'en serai, disons, éclairée. Accorderez-vous cette faveur à une vieille femme? Dommage. Et maintenant, que ferez-vous? Voilà une pavane que la vieille Flemmette n'a jadis que trop dansée. Voyons si elle n'en a pas oublié les pas. Venez, Morrigan devra mériter son dû. Il n'en sera pas autrement. We'll be right back.
Sur vous.
votre vent. Je m'en charge. C'est le véritable grimoire de mer, n'est-ce pas? Je suis heureuse que vous ayez finalement mis la main dessus. Merci de me l'avoir apporté. Je vais immédiatement m'y atteler pour faire mien le pouvoir qu'il renferme. J'ai froid toute seule dans ma tente. Vous viendrez donc dans ma tente? Mais qu'allons-nous faire cloîtrés dans ce réduit étriqué le temps que l'air se réchauffe? Parfait, alors ne perdons pas de temps en palabres. Ainsi donc, la légendaire endurance des gardes des ombres n'est pas imméritée. Pas du tout. Des légendes à foison retracent les prouesses de Garael et ses semblables, pour sordides qu'elles soient. Reste à savoir, bien sûr, si cette endurance est due à la marque des engeances ou au naturel vigoureux des gardes des ombres. J'aime à croire que ces deux aspects y concourent. Une prouesse naturelle mue par un côté obscur. C'est à vous d'en décider. Sachez seulement que je ne vous impose aucune dépendance. Je suis portée par mon désir. S'il coïncide avec le vôtre, alors il en sera ainsi. Et si vous décidez de ne pas donner suite à notre mésaventure, là encore il en sera ainsi. Voilà qui est simple, n'est-ce pas? Alors nous nous entendrons comme larrons en foire. Sur ce, partons d'ici avant que les autres ne nous lancent des regards obliques. Certes. Certes. Oui.
Concentre-toi. Comme à l'entraînement. Et maintenant, feu! Comme il vous siéra. Dites-moi, le moment est peut-être mal choisi, mais j'ai une question à vous poser. Maintenant que nous sommes arrivés à Denerim, je me demandais si... j'aimerais bien rendre visite à quelqu'un. Non, je sais, vous m'avez mal compris. Pour tout vous dire, j'ai une sœur, une demi-sœur en fait. Je vous ai parlé de ma mère, non ? Elle était servante au château de Golfalois, et il se trouve qu'elle avait aussi une fille, dont j'ignorais complètement l'existence. Autant que je sache, elle ne sait même pas que j'existe. Ma naissance a été gardée secrète, après tout. Mais après mon entrée dans la garde, j'ai fait quelques recherches et... elle vit encore ici, à Denerim. Elle est la seule famille qui me reste, et elle, au moins, n'a rien à voir avec toute cette histoire de sang royal. Je crois que... qu'il est temps que je la rencontre. La menace de l'enclin se fait chaque jour plus pressante, et c'est peut-être ma dernière chance de la voir. Le moins que je puisse faire, c'est l'avertir du danger. Vraiment ? Ce serait formidable. Si je n'allais pas la voir et qu'il lui arrivait malheur, je ne pourrais jamais me le pardonner. Elle s'appelle Goldana. Je crois qu'elle s'est remariée, mais qu'elle vit toujours près du bas-cloître. Ce ne serait pas un grand détour. Denerim. Si nous avons un peu de temps, j'aimerais essayer de retrouver Marjolaine. Nous avons un compte à régler. Attendez. C'est bien ce que je crois ? Cette chaumine là-bas, avec la porte jaune. Est-ce que j'ai l'air nerveux ? C'est que je le suis. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'aimerais que vous m'accompagniez, si vous êtes d'accord. Ou nous pourrions aussi bien... partir. Nous n'avons guère de temps à sacrifier aux visites de courtoisie, n'est-ce pas ? C'est elle seulement qui je suis, ou que j'existe ? Ma sœur.
Quel mot étrange à prononcer. Ma sœur. Sœur. Voilà que je divague maintenant. Nous devrions partir. Oui, c'est ça. Allons-nous-en. Bonjour. Quoi? Vous avez du linge à laver? Ça vous en coûtera 3 pièces le ballot. Vous ne trouverez pas meilleur prix. Et n'allez pas croire les clabauderies de cette commère de Natalia. C'est rien qu'une étrangère et malhonnête avec ça. Non, je ne suis pas ici pour faire lessiver mon linge. Je m'appelle Alistair et... Ma question vous paraîtra sans doute étrange, mais... Êtes-vous Goldana? Si c'est bien vous, je suppose que cela fait de moi votre frère. Mon quoi? Je suis bien Goldana, oui. D'où savez-vous comment je m'appelle? Quel mauvais tour essayez-vous de me jouer? Oui, je crois... J'en suis sûr, en fait. Avant de mourir, notre mère travaillait comme servante au château de Golfalois, il y a longtemps de cela. Le saviez-vous? Elle... Toi? Je le savais. Il m'avait dit que tu étais mort. Il m'avait dit que le bébé était mort-né, mais je savais qu'il mentait. Mort? Qui ça, il? Les gens du château. Je leur ai dit que l'enfant était celui du roi, et ils m'ont répondu qu'il était mort. Ils m'ont donné la pièce pour que je me taise. Je le savais. Je suis désolé. Je ne savais pas. L'enfant n'est pas mort. C'est moi, Goldana. Je suis ton frère. Pour le bien que ça me fait. C'est toi qui as tué notre mère, et c'est moi qu'on a condamné à trimer pour survivre. Leur charité n'a pas duré, et quand je suis revenu réclamer, ils m'ont chassé. Et qui diable êtes-vous par le Créateur? Un vulgaire serviteur qui lui tient lieu d'argentier? Hé, baisse le ton. Cet homme est mon ami, et un garde des ombres de surcroît. Tout comme moi. Oh, monseigneur. Un prince cornaqué par un garde des ombres. Mais qui suis-je pour cracher sur quelqu'un de si supérieur à ma pauvre condition? Je ne te connais pas. Ton royal père a forcé ma mère et me l'a enlevée. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Je me suis bien fait avoir. Je n'aurais pas dû garder le secret. J'ai 5 bouches à nourrir. À moins que tu ne sois disposé à y remédier, tu ne m'es pas de la moindre utilité. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. J'aimerais vraiment t'aider, Goldana, mais... Nous n'avons pas assez d'or. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. C'est tout ce qu'un prince accoutré de riches armures et de soieries et fichus d'offrir. Tu me prends pour qui? Une demeurée? Bien sûr que non. Je veux juste t'aider, si je peux. Tu veux m'aider? Alors va dire aux riches seigneurs qui te tournent autour que tu as des neveux et nièces qui crèvent de misère. Fais donc ça, et on en reparlera. Oui, de toute évidence. Laisse-moi te faire cette promesse, Goldana. Je ferai tout mon possible. Je parlerai à qui il faudra pour garantir que tes enfants et toi soyez à l'abri du besoin. Ce n'est rien de plus qu'une promesse. Excuse-moi de ne pas exulter de bonheur. Je te le promets, Goldana. Je ne peux rien faire de plus. Partons. Je veux partir. Au revoir, ma sœur. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, c'est peu de le dire. J'honorerais cette promesse, j'imagine, mais... Est-ce là la famille que j'ai aspiré toute ma vie à retrouver? J'ai peine à y croire. J'espérais naïvement qu'elle m'accepterait sans embâge. N'est-ce pas ce qu'une famille est censée faire? Je me fais l'effet d'un sombre crétin. Je le regrette, moi aussi. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Inutile de nous attarder ici. Je ne veux plus en parler.
Bienvenue, mes amis. Bienvenue au paradis de l'aventurier. Nous vendons les plus belles armures de Denerim, et même de Tuferelden. En quoi puis-je vous être utile? Vous n'êtes manifestement pas de la région. Maître Wade est sans aucun doute le meilleur armurier de Ferelden. C'est faux, Eren! Nul ne peut rivaliser avec les maîtres forgerons d'Orzammar! Les minables tas de rouilles que vous m'obligez à forger sont bien ridicules en comparaison de leurs chefs-d'œuvre! Vous ne me laissez jamais le temps de créer quelque chose d'unique! Les clients aiment en général recevoir leur armure dans un délai raisonnable. Pas après plusieurs années, comme la dernière fois. C'est arrivé une fois! Une seule fois! Allez-vous me tourmenter avec cette histoire pendant le restant de mes jours? Avec plaisir. Eren, le client m'empêche de travailler. Je me demande pourquoi je vous paie, vraiment. Pardonnez, Maître Wade, c'est un véritable génie, vous verrez. Son travail est admirable. Si vous avez des questions, ne le dérangez pas. Adressez-vous à moi, je vous prie. Et dites-lui que je ne veux personne dans mon dos à me regarder travailler. Qu'on me fiche la paix, bon sang. Je suis vraiment désolé. Il n'existe qu'un monde. Vous connaissez la nouvelle? Entre Mori... Quel plaisir de vous revoir, ma chère. Épargnez-moi vos minauderies. Je sais que vous... Oh, veuillez excuser la pauvreté des lieux. Je m'efforce d'être une bonne hôtesse, mais vous voyez ce que j'ai pour travailler. Ce pays empeste le chien mouillé. Partout, impossible de se défaire de cette odeur. Elle imprègne mes cheveux, mes vêtements. Bouh! Des mercenaires Kunari, qu'importe. Qui plus est, je n'aurai pas à les payer. Tout le monde est content. Mais je ne suis ni désarmée, ni sans protection. J'ai d'autres hommes prêts à intervenir sur une simple parole. Peut-être préférez-vous discuter calmement? Vous m'avez piégée, séquestrée et torturée. Je pensais être débarrassée de vous en Ferelden, mais visiblement il n'en est rien. Qu'est-ce qui vous pousse à me haïr à ce point? Pourquoi vouloir ma mort? Votre mort? Pas du tout.
Je vous connais bien, Leliana. Je sais de quoi vous êtes capable. 4-5 hommes, c'est un mince obstacle pour vous. Ils ont été envoyés pour vous faire venir à moi. Et devinez quoi? Vous voilà. Ne l'écoutez pas. Elle ment. Je connais ses méthodes. Que manigancez-vous, Marjolaine? Que faites-vous en Ferelden? En vérité, vous avez quelque savoir que vous pourriez utiliser contre moi. Pour mon salut, je ne puis l'accepter. Pensiez-vous que j'ignorais où vous vous trouviez? Que j'allais cesser de surveiller ma Leliana? Que devient-elle? Ai-je pensé? Une vie tranquille, des habits de paysanne, une coiffure à la garçonne. Ça ne lui ressemble pas. Je me suis dit que vous tramiez quelque chose. Aussi ai-je attendu, mais aucune lettre n'est partie. Aucun message. Vous ne parliez à personne, ou presque. Astucieux, Leliana. Très astucieux. J'ai failli y croire. Mais alors, vous avez quitté la chanterie brusquement. Quelle conclusion devais-je en tirer? Dites-le-moi. Vous croyez que je suis partie à cause de vous? Que je complote pour me venger? Vous êtes folle. Paranoïaque. Oh, c'est ce que vous pensez. À votre place, je ne croirais pas un mot de ce qu'elle dit. Pas un. Elle va se servir de vous. Vous la regardez et ne voyez qu'une pauvre fille toute simple, une amie, chaleureuse et fidèle. C'est une mise en scène. Je ne suis pas comme vous, Marjolaine. C'est précisément pour éviter de devenir comme vous que je suis partie. Oh, mais vous êtes comme moi. Vous n'y pouvez rien. Personne ne vous comprendra mieux que moi. Parce que nous sommes pareilles, toutes les deux. Savez-vous pourquoi vous excelliez dans l'art de la manipulation, Leliana? Parce que cela vous plaisait. Vous jouissiez du pouvoir que vous en tiriez. Il est impossible de le changer ou de le nier. Merci. Vous allez cesser de nous menacer, moi ou mes amis, Marjolaine. Je veux que vous sortiez de ma vie, pour de bon. Vous avez causé trop de tort à trop de gens, Marjolaine. J'y mettrai un terme ici même. Et vous croyez pouvoir me tuer, comme ça? Je vous ai faite, Leliana. Je peux vous défaire tout aussi facilement. Ce pays empeste le chien. Ils ont été envoyés pour vous faire venir. Vous...
croyez que je suis partie à cause de vous? Que je... Oh, c'est ce que... Il est impossible de le changer, ou de le nier. Merci. Vous allez cesser de nous menacer, moi. De vigilance de votre part, tout ça ne serait pas arrivé. J'ai besoin d'être seule. Très bien. Nous parlerons plus tard. Je m'exécute. Puis-je vous aider ? Pourquoi pas? Je vous ai observé. Vous devriez assimiler sans peine quelques-uns de mes talents. Éloignons-nous un peu des autres. Question de sécurité, vous comprenez? Les dagues risquent de voler bas. Comme il n'existe qu'un monde, une vie, une mort.
notre créateur. Ceux qui consacrent leur amour à de beaux yeux. Bonjour à vous, garde des ombres. Je suis un ami. J'ai appris que vous jouiez les troubles faits avec Logan et Howe. C'est bien ça? Excellent. Puisse le créateur cracher sur ces foutus nobles arrogants. J'ai aussi entendu parler de vos talents. Hein? Des talents de rue, pourrait-on dire. Je ne vous juge pas, notez-le bien. Je veux vous aider. On m'appelle Couldry les mains lestes. Et si vous avez entendu parler de moi, vous savez quel sale boulot je fais. Pas vrai? J'ai des oreilles un peu partout. Et pour ceux qui considèrent certaines lois mesquines comme des nuisances, il y a de beaux fruits bien mûrs à récolter par ici. Je peux fournir des renseignements. Tout ce que je demande, c'est une petite part du gâteau. Ma foi, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Vous avez mieux à faire comme botter le cul aux engeances, pas vrai? Vous êtes un modèle. Je m'exécute. Artisanat nain. Article de premier choix. En provenance directe dans Zamar. Vous ne trouverez pas mieux. Bienvenue. Bienvenue. Nous vendons le plus robuste des aciers nains. Frappé plus de 100 fois dans les forges d'Orzammar. En ces temps difficiles, un groupe comme le vôtre aurait bien besoin d'un surcroît de protection sur les routes. Chaque objet porte le sceau du père de ma femme. Je vous reconnais. Vous étiez à Ostagar. Par le sang d'Andraste, vous êtes un garde des ombres, l'apprenti de Duncan. Vous avez tué mon ami et le bon roi Kaelan. J'exige réparation. Ainsi, vous ajoutez la calomnie à la trahison? Vous osez souiller la parole du Tiern Loghain? Le sauveur de Ferelden, le Tiern Loghain, m'a rapporté en personne la félonie des gardes des ombres, votre félonie! Une mort ordinaire ne suffirait pas à expier pareille traîtrise. Nous nous retrouverons au champ d'honneur, et ma lame rendra la justice. Rendez-vous dans la ruelle, derrière la taverne du noble chenu. Nous nous y battrons en duel. Mais l'honneur exige que vous acceptiez. Faites la paix avec le Créateur. Vous vivez vos derniers instants. Prêt? Je ne suis pas un sauvage, je veux un duel à armes égales. Effectivement, vous tuer est une question d'honneur. Puisse la divine avoir pitié de vous. Vous faites honneur à votre rang. En garde! Landry n'aurait pu rêver plus noble trépas.
Susanna Nain. Article de premier choix. Quittez immédiatement les terres du Ban Telmen. Jamais nous ne céderons devant Logain. Logain est le régent en titre. Il exige que vous... Nous ne sommes pas les lèche-bottes d'Orlaïs. Notre allégeance ne va à personne. Disparaissez! Soldats, emparez-vous de leurs terres par la force. Ordre du régent. Ces soudards à la botte de Logain n'y reviendront pas. Oui.
avec, grand-mère. Oui, bien entendu. Le souffle du Créateur. C'est fait. Il vous plaira. C'est comme si c'était fait. Comme il vous siéra. Autrefois, j'ai entendu une très vieille légende à propos des guerriers molosses du temps des anciennes tribus. Ils nourrissaient leur mabari avec la dépouille des vaincus. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Ils se seraient parfois agis de chair humaine. Ah, comme si tu pouvais faire la différence. Va savoir, on t'a peut-être déjà nourri avec quelqu'un. Quelque chose vous tracasse ? Je vous écoute.
Oui. Oui, certes. Vous n'avez pas bientôt fini de vous baffrer ? Je m'étais... C'est un piège. Très bien. Piège. Comme c'est ingénieux. Très bien. C'est un piège. Ce sera fait.
Les mages sont prêts à accomplir le rituel. Je prie que tout ce temps passé à les réunir porte ses fruits. Je vous ai proposé la seule solution qui me paraisse envisageable. En les attendant que vous preniez une décision, il vaut mieux que je reste ici. Je peux garder un œil sur Connor, pour ainsi dire. Si le démon se manifeste, j'avertirai nos amis. Ah, vous voilà. Nous avons apporté du lyrium et entamé les préparatifs du rituel. Nous pouvons commencer à votre convenance. Tout dépend du type de démon que vous affronterez. Celui-ci semble être un esprit de l'avarice et de l'envie. L'un des plus puissants de la hiérarchie. Il cherchera sans doute à vous tenter. Refusez. On ne retire jamais rien de bon d'un pacte démoniaque. Oui, nous n'avons pas assez de lyrium à l'heure actuelle pour envoyer plus d'un mage dans l'immatériel. Je suis heureux que nous procédions ainsi. C'est de loin la meilleure solution. Très bien. Qui pénétrera dans l'immatériel ? Moi, affronter le démon, vous m'en demandez beaucoup. Alors commençons sans plus tarder. C'est toi, Connor ? Je... Avez-vous vu mon fils ? Je l'entends, mais... je ne le trouve pas. Ce satané brouillard me fait tourner en rond. Vous êtes dans l'immatériel, monseigneur. Sous la coupe d'un démon. Un démon ? L'immatériel ? Est-ce que mon fils est en danger ? Oui. Mais je vais faire de mon mieux pour que nous en réchappions tous indemnes. Ayez foi en moi, monseigneur. Oui. Je vous fais confiance. Nous devons venir en aide à mon fils. Mais je ne le trouverai jamais avec ce brouillard. Retrouvez Connor, je vous en supplie. Béni sois-tu, qui existe dans le regard du Créateur. Comme il vous plaira. Qui êtes-vous ? C'est vous qui avez fait du mal à papa ? Dites-moi ! Du calme, mon enfant. Tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. Non ! Vous venez faire du mal à papa, j'en suis sûre ! Je ne vais pas vous laisser faire ! Thank you.
J'obtempère. Vous ! C'est vous qui faites souffrir papa ! Pourquoi vous me faites mal ? Qu'est-ce que vous faites ? Écoute-moi. J'essaie juste de t'aider. Je ne parle pas avec les intrus ! Je vais vous chasser d'ici !